Thank you.
Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, et oui, encore un let's play d'un jeu donc rétro, puisque bien sûr on a eu Dishonored, maintenant il est temps de passer à un jeu rétro, et ce jeu rétro, eh bien on peut le dire, puisqu'il est arrivé en 1994 en Europe, sorti sur Mega Drive, c'est la deuxième épisode donc de la série des Shining Force. Je ne ferai pas le premier parce qu'il a une musique de combat et qui me donne envie de tuer quelqu'un. C'est bien sûr le deuxième épisode de la série Shining Force, Shining Force 2. C'est un tactical RPG, alors pour ce bien sûr. Alors, c'est vrai quand on dit tactical RPG, beaucoup de personnes pensent par exemple à Advance Wars, ça pense également à Fire Emblem, mais il y a également eu Shining Force, et justement, je vais vous le présenter. Un jeu de qualité, un jeu de quantité, justement, je vais vous présenter. Vous contrôlez donc ce charmant jeune homme qui donc, eh bien, étudie donc à l'école. Et il ne se doute pas, bien sûr, de ce qu'il va vivre à ce moment-là. Alors, on va descendre. Alors, bonjour! Alors, bien sûr, les mots sont... Enfin, les dialogues sont en anglais, donc je vous ferai la traduction. Bonjour, Sio! Tu te réveilles en retard ce matin? Est-ce que tu as entendu la tempête? Est-ce que la tempête t'a réveillé? T'es plutôt allé à l'école, Sio Astral et Sarah t'attendent. Voilà, donc, votre maman, hein, c'est votre mère, pour information, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Donc voilà, donc c'est un personnage tout ce qu'il y a plus classique. Vous pouvez bien sûr vous déplacer hein, dans les jeux classiques, vous pouvez aller à droite, à gauche. Vous pouvez bien sûr fouiller, vous pouvez bien sûr aller voir. Ben voilà, Sio est en train de regarder le bassin. Donc là voilà, il est en train de jouer avec l'eau, etc., etc. Donc là on va avancer, donc là vous avez différents personnages. Sir Astral est un personnage, etc. Donc vous pouvez discuter avec beaucoup de personnes, hein, ça reste un RPG classique. Donc on va avancer. Là, et on va arriver ici, donc première spécificité du jeu. Ici vous avez donc un personnage qui est un moine, donc il vous dit voilà vos désirs seront donnés, et donc eh bien vous avez quatre possibilités. Vous pouvez bien sûr faire ressusciter vos troupes si jamais ils venaient à tomber au combat. Vous pouvez également les soigner s'ils ont une altération, c'est-à-dire un poison, dormir,
Il y a également, si je ne m'abuse, la paralysie, etc., etc. Vous avez ensuite la promotion, donc là on en parlera après quand le moment sera venu. Et enfin le point de sauvegarde, puisque bien sûr on peut sauvegarder dans ce jeu. Justement, bah, je voulais vous enregistrer. Et là vous enregistrez votre aventure, et donc la musique continue. Et dès que vous avez terminé, ce qui se passe, c'est qu'il vous demande en fait si vous voulez continuer l'aventure, vous avez fait oui ou non, bah, quand vous quittez l'aventure, vous faites ceci. Et en fait, le monsieur en question vous dit voilà, revenez plus tard, etc., etc. Voilà. C'était bon de vous le dire, voilà, on peut vraiment, c'est par exemple si vous aviez un frère ou une sœur qui voulait jouer à, qui avait votre propre partie, ça vous permettait justement de switcher de situation en situation, bien évidemment. Donc voilà, ensuite vous récupériez votre compte, voilà, donc I'm sure I know it, et voilà, c'est parti pour un tour. Voilà. C'était bon de vous le signaler, donc allez, on va partir directement un peu plus de temps, donc en bas on a une sorte d'animalerie qui se trouve ici. Ah, c'est pas ici, donc on peut visiter, hein, bien sûr. À ne pas hésiter, bien sûr, à fouiller tous les barils, les tonneaux, les vases, etc., etc. Forcément, cela peut avoir des bonnes conséquences. Là, on est une espèce d'animalerie. C'est une animalerie, je crois, c'est ça. Et donc, allez, on va aller directement à l'école. On est déjà sacrément en retard. Et on va aller étudier, puis c'est notre fonction. Là, on a Chester qui est ici. Il dit qu'il a sommeil et que Jade doit dormir. Vous avez ensuite donc Sarah ici. Là, elle vous demande comment on va. Sœur Astral est en dessous. Il a l'air étrange aujourd'hui. On va aller voir Sœur Astral. On va quand même lui dire qu'il faut quand même qu'il aille faire la cour. Et là, ça ne peut être. Non, ça ne peut pas. Là, elle va me poser des questions. Donc là, vous allez le voir. On peut bien sûr fouiller un peu partout, hein, bien sûr. Et là, regardez, voilà, on récupère une herbe médicale qui offre donc 10 points de dégâts. 10 points de vie, pardon. Donc vous allez discuter. Oh bonjour Sio, quand est-ce que tu es venu? Ah ben c'est très vif, détendez à l'école, bon ben j'arrive tout de suite. Là vous repartez. Excusez-moi Sio, qu'est-ce que tu penses de la tempête de la nuit dernière? Est-ce que tu penses quelque chose de démoniaque ou quelque chose? C'est vrai que tu demandes souvent ça à un enfant. L'enfant est tellement bon. C'est vrai que c'est quand même assez étrange, peut-être mon imagination. Bon, désolé. Donc là vous remontez, vous reprenez votre place. D'ailleurs quand on va là, c'est pas possible. Par contre quand on va là, le cours commence. Cherchez l'erreur. Là, on a Astral qui arrive. Est-ce que tout le monde est là? Allez, débutons. Où est Ja? Bon, il est en train de dormir. Bon, je peux pas l'attendre. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais hier? Là, il fait son cours. Pour ceux qui se demandent comment je sais, bah, le jeu, je le connais par cœur. Hein. C'est un jeu que j'ai recommencé plusieurs fois. Je n'ai jamais terminé ce jeu pour des raisons diverses. Et je vais vous dire que la durée de vie est assez conséquente. Et justement, eh bien, on en parlera après. Bon, le ministre voudrait que vous veniez au château. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce... Le roi, il est tombé malade, il a très mal. Ben, c'est pas du pain, il n'est pas récupéré du pain. Quoi? Le roi? Ok, je viens. Il y va. Désolé les enfants, je dois aller au château, restez ici. Sio, est-ce que tu entends ça? Le roi est malade. Je crois qu'il a quelque chose. Ça a l'air, il avait l'air très étrange. Hé, Chester, s'en aller au château? Non, nous ne pouvons pas, nous sommes des enfants, ils ne seront jamais allés. T'inquiète pas, j'ai un plan. Bon, est-ce que tu veux nous suivre? Alors bien sûr, si vous faites non, ce qui se passe, c'est qu'elle se remet à sa place, et en fait, on est un petit peu obligé de le faire. C'est un peu un oui, on te donne le choix, mais t'as pas vraiment le choix. Voilà, donc là, vous avez donc Sarah et Chester, qui rejoint donc la force. Shining Force, force de lumière, donc force aux forces des ténèbres. C'est un peu bateau, mais c'est comme ça. Allez, c'est parti. On rallume la lune moustique, hein, puisque forcément on est en été, donc il y a des moustiques qui peuvent débouler à n'importe quel moment. Allez, on part maintenant à l'aventure. Donc allez, c'est parti. Hé, hey, attendez, qu'est-ce que vous faites là? Bah, où est-ce que vous pensez aller? Bah, nous. Sœur Astral nous a appelé. Pourquoi? Bah nous sommes ses élèves, il a laissé un paquet derrière et... Vous voudriez lui donner? Bon bah d'accord, allez-y. Bon, bienvenue dans le château quand même. Bah soyez sympa, soyez sage dans le château. Là vous y allez. Le château qui est assez grand, hein, faut quand même le reconnaître. Attention, voilà. Là on va récupérer les petits coffres qui sont là. Ça, je le connais par cœur. Hein. Ça peut peut-être vous surprendre, hein, mais je connais par cœur le jeu. Donc... Allez, Angel Wings, il sert en fait à sortir du combat et à s'en aller en cas de danger.
ne sert pas à grand chose au début du jeu, je vous expliquerai pourquoi. Et voilà, l'herbe médicale. Allez, c'est parti. Bon, allez, on passe par là. Là, on peut bien sûr visiter, hein, on a les... Ah, on a une petite salle là, donc on peut y aller. Ah, on a un monsieur, oui. Est-ce que c'est un peu trop tard? Et là, vous avez des... Vous avez une dame. Ah, mais qui es-tu? Sors-toi là! Les garçons n'ont pas autorisé d'aller dans les dressing rooms. Enfin, dans les... Dressing rooms, c'est quoi déjà? Dans les vestiaires, pardon. Pourquoi la personne qui est tout nue, hein? Là, je vous jure, hein, qu'est-ce qu'ils sont prudes à l'époque, hein. Allez, c'est parti. Bonjour. Le cuisinier disait que le roi n'avait pas tellement faim. Je me demande pourquoi. Bah, régime. Donc vous voici devant, donc là, le roi qui est en... Oh, papa, s'il te plaît, réveillez-vous. Je vous voyais à l'époque. Ce monsieur Astral. Rien d'inquiétant, rien de grave par rapport avec le corps, mais... Il souffre vraiment de quelque chose. Peut-être que... Bien... Oups. Qu'est-ce que vous faites de ça? Oups. Désolé, sire. Nous souvions. Vous mentez pas. Vous voyez votre château, hein, c'est ça, hein. On n'obstacle pas. Sœur Astral, qui sont-ils? Bien... Ils sont mes élèves. Ah, ils sont... Oh, bah, ça a l'air d'être des bons gamins. On leur dit que ils se sont venus alors qu'ils n'avaient pas le droit de venir. Vous devez avoir une pression spéciale de les... avoir fait venir, hein, non? Ben... J'avais pas... Vous disiez que la porte du... La tour ancienne était ouverte? Ah, il devait y avoir un lien entre la porte ouverte et la maladie du roi. J'aimerais bien y aller pour aider et enquêter sur la tour. Bon, les élèves, venez voir. Et me criez plus de problèmes, hein. J'ai une réputation et tout, hein, quand même. Bon, allez, on y va. Bon, je voulais pas vous mettre dedans, mais bon, hein, vous faites chier le monde, alors à ce moment-là, ça me fera de vous apprendre à comment servir le roi. Est-ce que vous êtes prêts? Bah oui. Allez, c'est parti. On va donc avoir le premier combat. Un combat qui s'annonce difficile si on... Enfin, bien une chose, les combats sont difficiles à condition que forcément on ne fait pas... On fait pas ce qu'il faut. Ça, c'est normal. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve dans cette fameuse tour en question. Nous voici donc. Sio, reste ici. Je vais faire un tour. Je regardais, hein, j'ai jeté un œil dans le terrain de cette tour. Bah, c'est une tour avec des boules rouges. Quelle tour mystérieuse! Je me demande bien qui l'a construite. Pas moi. J'ai un sentiment étrange par rapport à cet endroit. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça avant. Oh. 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 Qu'est-ce qui se passe? Regarde, quelque chose apparaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un démon Gizmo, un démon qui possède les gens. Pourquoi es-tu ici? Mais attends, pourquoi t'es-tu venu? Où tu comptes aller? Attends, tu comptes posséder le roi, c'est ça? Je te laisserai pas passer. Tu ne feras pas de mal au roi. Ah, bah il a ramené ses sœurs. Sors pas bon. Nous devons l'arrêter, le démon Gizmo. Yo, défais ces fiennes. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que c'est nous qui faisons le boulot. Merci, Sœur Astral. Alors, justement, comment ça se passe pour ça, justement? Eh bien, regardez, donc vous avez donc des cases qui sont illuminées. Vous
Vous avez donc, alors à droite, en haut à droite, vous avez les points de vie et les points de mana, ainsi que votre classe et votre, comment on appelle ça, votre niveau que vous avez, et votre nom, bien sûr. Vous avez l'effet de la l'effet du terrain. Qu'est-ce que c'est? Forcément, en fonction du personnage que vous avez, il a un effet. Je prends un exemple tout bête, quand vous êtes dans une forêt, il est plus difficile de se déplacer dans une forêt que de se déplacer dans, par exemple, dans une salle en tout genre. Là, par exemple, on a 30% d'effet. Pourquoi? Parce que regardez, ici, c'était 15%. Ici, ça semble être cassé, et cela aura sans doute des effets par rapport à ça. Bon. Cela peut aussi gêner par rapport à une attaque que vous voulez pousser, etc. Sarah, elle, est une personne qui peut soigner. Elle aura 10 points de mana. Donc là, on a des démons gizmo, hein. 5 points. Ça semble pas difficile, mais on n'a que des équipements de très bas diable. À noter que Sio a également un pouvoir qui s'appelle Aigresse. En fait, comme son nom l'indique, Aigresse peut, si vous sentez que vous êtes en train de perdre pied, vous pouvez demander à ce que votre... vous pouvez utiliser Aigresse pour tout simplement vous échapper et partir essayer de retrouver une autre stratégie. Il faut savoir que si vous mourrez, je crois que vous perdez la moitié de votre argent, d'où le fait que cette technique est bien sûr excessivement importante. C'est parti, Sio, qui avance. Ils sont assez puissants, hein, bien sûr, puisque nous sommes que de niveau 1. Alors, on ne sait pas quel niveau ils sont, hein, mais ils sont assez nombreux. Et leur nombre pourrait nous submerger. En tout cas... on va faire ça. On va faire ça. Et voilà, tout de suite, premier gizmo qui tente d'attaquer. C'est parti, ah voilà, 3 points. Allez, Chester qui arrive ici. Donc Chester, je vais le mettre sur un coin. Voilà, donc 3 points de vie. Magnifique. Magnifique, 3 points de vie. Il a commencé à avancer. Est-ce que... Alors ils peuvent voler, hein. Ils peuvent flotter dans les airs. Donc il faut faire très attention. N'ayez pas croire que... Ah voilà, ça y est, ils vont s'en prendre. Il faut savoir que si Sio meurt, le leader est considéré comme vous pourrez mourir instantanément. Allez, c'est parti. Alors, l'épée en bois. Bien 4. Ça y est, on a récupéré 24 points d'expérience. Je crois d'ailleurs que c'est 49-49. Donc ça fait 90. 90, donc ça fait à peu près 90-91. Quand vous avez récupéré 91 points d'expérience, vous montez instantanément de niveau. Forcément, en fonction des ennemis que vous allez voir en face de vous, il y aura certaines difficultés à monter de niveau. Bien sûr, plus le niveau est haut, plus forcément, il apporte quelque chose de non négligeable. D'ailleurs, Sio, lui qui a 4 points, Sio, il est quand même... Je pense que ça va le faire. Voilà, 4 points, c'est bien. Et voyez, commence déjà un peu à avancer. Alors ça tout dépend de la manière dont vous voulez faire votre offensive. Si vous voulez être plus attentif, c'est-à-dire vous préférez attendre que les ennemis arrivent et les attaquer au fur et à mesure, ou est-ce que vous préférez lancer une offensive au fur et à mesure, c'est-à-dire par exemple, vous préférez attaquer littéralement et prendre les devants, forcément une attaque peut avoir des... Les deux techniques ont une conséquence fâcheuse, une conséquence difficile. C'est-à-dire que si vous lancez une offensive, partez beaucoup à l'offensive, vous risquez de vous faire attaquer très souvent et de perdre vos troupes, donc être en difficulté. À vous de trouver la situation par rapport au lieu, par rapport au terrain, par rapport à tout ça. Bien sûr, ce jeu, vous pouvez le retrouver sur Mega Drive, mais également sur émulateur. Et attention, Sarah qui se fait attaquer. Sarah qui est notre seule guérisseuse, donc il faut un petit peu faire attention à elle. Pourrait se retrouver un petit peu dans la merdasse. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà, 3 points. Sio, tu vas taper ce gizmo. Je sais pas d'ailleurs si c'est pas plus faible pour le niveau. Non, on va. Je retire ce que je viens de dire. Donc voilà. Chester qui est full life. Alors, tout va bien. Et voilà, donc là on a un gizmo. Ah voilà, petite erreur de stratégie. Gizmo qui se retrouve pile devant Chester, donc je peux pas vraiment l'attaquer. Et là je peux pas, vous voyez, si je fais ça, je me retrouve en difficulté. Donc je suis obligé de rester un petit peu à côté de Sarah. Sarah qui va se mettre ici pour soigner Sio.
Bien sûr, je ne peux soigner qu'un nombre important, il n'y a que 3 points de mana par. On va y arriver. Je pourrais faire ça, mais il y a un... La question est de savoir si... Ça sent quand même vachement compliqué. Je vais faire ça, par précaution. Bien, 3 points. Et vous voyez, il va tout de suite l'attaque. Bien, Chester, blocage d'attaque. Et donc voilà, donc, plutôt de bonnes choses. Donc là, 3 points. Sio, il va se mettre ici, il va frapper ce gizmo. Bien, Sio. Alors, toi, tu vas soigner Chester, qui est pris entre deux feux et donc qui a 5 points de vie. Allez, c'est bon, ça va arriver. Ah, attention, on se retrouve à 3 contre 3 finalement. Ça devrait le faire, mais attention quand même à l'offensive. Ah, ça pourrait le faire logiquement. Ah, peut-être pas. La gizmo qui vient d'essayer de bloquer mon attaque. Je peux plus soigner, donc je peux que lancer à l'offensive. Oh, mais attends, ma mère. Bon, là, c'est embêtant. Là. Ça fait deux attaques contrées. J'espère que c'est pas la troisième. Finalement, c'est les GT. Hein. C'est un peu comme les GT classiques. Et voilà, Sio qui est donc au niveau 2. Et voilà, justement, ils vont pouvoir contre-attaquer. Quel coup dur, sans déconner, quel coup dur. Je ne pensais pas que... Attention. Ouais, c'est bon, je tape juste Sio. Mais tranquille, hein. Bah, 3 points d'attaque, ça devrait aller. On va le frapper. Par contre, j'aurais bien voulu que ce soit Sarah qui frappe. Ouais, parce que le problème ici, c'est que Chester ne peut pas avancer. Ça aurait permis à Sarah de monter un peu. Je vais faire ça. Ça c'est fait. Là je commence à prendre 2 points de vie ça. Bon alors, je vais mettre ça ici. Je vais prendre un risque, je vais laisser Sarah terminer. Ah bah finalement. Pas que tu le coupes tout. Bien mon petit. Bon, ça fait pas grand chose, mais ça mérite d'être souligné. Bien joué. Qu'est-ce que nous devrions faire? Ah bah, vous devriez discuter avec lui. Hein? Discutons avec lui. Oh, qu'est-ce que tu penses? Quoi, un démon, c'est qu'est-ce que bon? C'est trop difficile le marché des démons en ce moment. Ah, bah il n'a pas l'air très intéressé par mon discussion. Quoi? Il a disparu. Oh, il est là-bas. Oh, il a encore disparu. Bon, il faut se dépêcher d'aller voir le roi. Bon, on va aller voir le roi. Allez, c'est parti. Ah, bah finalement, ça s'est plutôt bien passé. La capture test, j'avais perdu Chester. J'ai perdu personne. J'avais pris 2 herbes vertes, pour vous dire. Enfin, 2 herbes vertes. Les herbes vertes, c'est tout ça. Ah, les herbes vertes, ça vient de Resident Evil. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, il y a un léger, un petit problème. Allez. J'ai vu un démon rentrer dans le corps du roi et le roi est devenu très violent. Parce qu'il a besoin d'avoir un démon en lui pour être violent. On va discuter. Donc là, on a le démon qui est à l'intérieur. C'est vrai qu'il va t'écouter. Oh. Oui, je fais très bien le pas. Il est possédé. Il a besoin d'un exorcisme. Un exorciste surtout. Oh, il va utiliser un sort très puissant. Ça peut être dangereux. On recule un peu. Là, ça y est. Opération. Je savais pas que c'était ça. C'était un sort de...
mon esprit. Le temps du roi. Attends, non. Roi grande cire. Grand cire, grand cire. T'es pas du genre un peu crâneur, toi? Ça a marché. Il n'y a pas vu un démon parti? Bah, ça a l'air d'avoir marché. Astra, qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que... Laissez-moi utiliser vos soldats. Nous devons tuer cette chose avant de pouvoir de trop victimes. Qu'est-ce que quoi vous parlez? Je ne comprends pas. Ah, bon bah voilà. Bon, il ne pouvait... En fait, il a perdu connaissance. Le ministre invoque, enfin demande aux soldats d'aller sur le hall pour tuer ce démon démoniaque. Enfin, cet esprit démoniaque. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de tuer, d'avoir trouvé le démon et de le déglinguer. Bah ben, c'est ça. Ou le tuer avant qu'il possède quelqu'un. Bon, on va y aller. Il ferait mieux d'y aller, hein. Bon, allez-y, et allez-y, et défaitez, détruisez, débattez, Marre-lui la tronche, quoi. Allez, avant, marche. Ah, Sœur Astral dort toujours, est-ce qu'il va bien? Le roi est avec lui, je suis inquiet. Est-ce qu'il y va bien? Sam. Il est juste un peu fatigué parce qu'il a été éreinté de deux batailles. Vous inquiétez pas pour lui. Ben ça va, non? S'il mourait, ça serait pas grave, il est mieux. Là, je suis pas sûr que les gens du troisième âge seraient contents de t'écouter. Voilà le roi qui arrive. Le roi Grancy, hein, le roi qui porte le même nom que son royaume. Un crâneur, hein, mais qui se la pète. En tout cas, il mange bien. Je suis trop en retard. Astral venait de retrouver ses esprits. Oui, vous lui parlez? Astrid, je sens un omen. Derrière l'ouverture de cette porte et qu'ils m'ont apparu, nous devons étudier l'histoire ancienne de l'île des Grins. Historien du nom de Howell vit au nord-ouest de Yale. Astral me demande de me l'envoyer des soldats. Qu'est-ce que nous voulions faire? Je sais pas. J'ai un enfant. Hein. Oh oui. Ah oui quoi? Ah oui. Ah oui quoi? J'ai une idée. Vous êtes les élèves d'Astral. Je vous connais toi, Sio. J'ai entendu ce que t'as fait. T'as fait du bon boulot à la tour ancienne. Ouais, bah tu vois. Pourquoi tu vas pas? Oui. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours moi qui dois bosser? Est-ce qu'on peut pas demander aux autres de bosser à ma place? Pourquoi on doit pas y aller à Yale, ramener Yahweh? Faut pas y aller directement? Je pense pas que ce soit un type. Ah bah non. De toute façon, j'ai pas le choix. Demander, je vais me couper la tête si je demande au moins. Bon, bah, on y va. Tu vas aller ou quoi quand même? Merci. Bah quand même, bon il me dit merci, c'est sympa. Et là je suis... Allez c'est parti. Bon bah voilà, ça y est, pousse-toi. Bon bah ça y est, c'est là, moi bah, je crois que ça va être la fin. On va aller chercher, on va y aller. Bon bah voilà, c'est la fin donc de cette première partie. On a donc, ça y est, on a fait pas mal de choses. Donc tout ce que je peux vous dire c'est qu'on a fait, voilà ça a été là, le premier épisode. J'espère qu'il vous plaira, ça sera un peu pareil, on essaiera d'avoir bien sûr un côté second degré, mais aussi un côté premier degré. En tout cas, je vous promets que je m'énerverai pas. Je garde tout pour le mois prochain, je m'énerverai très souvent. Mais pour l'instant, ça ne sera pas le cas. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et j'espère en tout cas que cela vous plaira le plus au monde. Allez, prenez soin de vous, ciao tout le monde, et bisous bisous.